Alors, bonsoir, merci, merci beaucoup au MAGE d'avoir organisé cette soirée consacrée à la rentrée littéraire israélienne et en ayant eu la bonne idée de permettre de présenter deux livres, deux livres singuliers, très personnels, mais qui ont, comme on le verra, je pense, beaucoup de points d'intersection et se font écho à bien des égards. Je ne crois pas que ce soit une vue de l'esprit de ma part qui les ait lus littéralement en même temps. Je pense que c'est une réalité qu'on pourra peut-être toucher du doigt. Alors merci à Yael Niman et Benimer d'être avec nous ce soir. Yael Niman est éditrice, écrivain. Elle est née dans un kibboutz qu'elle a quitté à l'âge de 20 ans pour vivre à Tel Aviv. Et ce départ a fait l'objet d'un très beau livre, « Nous étions l'avenir », paru chez Actes Sud en avril 2015. Un livre qui a connu un grand succès en Israël. Et tout comme ce livre, qui Elle était une fois, qui a aussi connu un grand succès en Israël et dont nous allons parler aujourd'hui. Elle était une fois, donc sortie il y a 3 ans là-bas, paraît en français ces jours-ci aux éditions Actes Sud. Je donne un premier aperçu de Elle était une fois avant de rentrer dans le vif du sujet et de la discussion. Elle était une fois, elle, c'est Pazit, une femme que Yael Niman n'a pas connue. Elle l'a une toute petite fois aperçue, croisée fugitivement dans une cage d'escalier. On pourrait dire que ce n'est pour elle qu'une maigre image à partir de laquelle. Devant laquelle elle va s'arrêter, ça va provoquer chez elle un désir complexe que l'écrivain a du mal à analyser, d'en savoir davantage sur cette femme, donc au point de s'engager dans une biographie, vous verrez, très paradoxale, puisqu'il s'agit de raconter la vie d'une femme anonyme dont elle ne sait d'abord rien. Alors, Benimer, à ma gauche, là, a été longtemps un journaliste littéraire au quotidien israélien Haaretz. Il est né à Tel Aviv. Il est titulaire d'un master d'études de Yiddish de l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est un grand connaisseur de la culture Yiddish en Israël. Il a traduit des textes importants de Sholem Aleichem, d'Avrom Sutzkever, dont on a parlé il y a 15 jours ici avec Rachel Hertel, lors de la journée consacrée au Yiddish. Et il est également traducteur du français. Il a traduit Flaubert, je tiens à le préciser. Et pour donner un premier aperçu de son livre Smotché, biographie, d'une rue juive de Varsovie qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope, traduit de l'hébreu par Gilles Rosier. Alors, comme le titre l'indique, avec le mot biographie, il s'agit de raconter l'histoire d'une existence, mais en l'occurrence celle d'une rue, pensée comme une matière vivante, intensément animée, de raconter cette rue de son premier numéro à son dernier, on pourrait dire, mais surtout jusqu'à sa mort. Alors, il y a encore une rue qui porte le nom de Smotché, qui n'a peut-être pas cette je ne sais pas comment on le dit dans le polonais d'aujourd'hui, à Varsovie, mais celle dont parle Benimer, elle a bel et bien disparu dans les ruines de Varsovie à la fin de la guerre. Il s'agit d'une rue symbolique, emblématique, on le verra, l'une des plus pauvres de la Varsovie juive d'avant-guerre. Alors, tous les moyens sont bons pour Benimer de récolter la moindre trace, pour donner une idée, une évocation, une image, un souvenir de ce que fut cette rue Smotché. Alors, il se trouve que moi, j'ai lu les deux livres en même temps et très vite me sont apparus des points, encore une fois, d'intersection, d'écho, des résonances entre les deux récits. Ils sont nombreux, même si, évidemment, on rentrera dans les singularités de chacun, j'imagine. Mais je pense que, puisqu'on a là deux auteurs ensemble, c'est intéressant de se placer là où il y a des croisements. Je vais donner une idée de ces points d'intersection, de ces échos à mes yeux. Alors, d'abord, il s'agit de deux biographies assez étonnantes. Si on insiste sur les caractéristiques du portrait qu'il s'agit de construire, dans les deux cas, un écrivain devient, on pourrait dire, obsédé, j'allais dire hanté, par une réalité avec laquelle il n'a pas d'abord de familiarité particulière, un lieu dans un cas, donc la rue Smotché, une femme dans un autre. Une réalité qui a disparu dans les deux cas, devenue impalpable et qui, pour être approchée, doit faire l'objet d'une longue enquête. Alors, ces deux livres sont des livres d'enquêteurs. Et les enquêtes respectives aboutissent à deux récits qui ont été lentement construits pendant des années, dans les deux cas, et les deux récits sont construits comme un puzzle auquel il manquera, on s'en aperçoit très vite, toujours des pièces. Les deux livres se livrent comme une sorte de, chacun, de portrait mosaïque où alternent le plein et le vide, la trace et le manque, la satisfaction de trouver parfois des réponses, la frustration de voir qu'on ne trouvera jamais le tableau dans son ensemble que l'on aimerait dessiner.
Et puis les deux livres cherchent à fixer une réalité qui ne vit plus que dans quelques souvenirs ou dans les bribes d'archives qu'il faut collecter. Pour le dire autrement, on peut dire que ces deux récits ont pour caractéristique de mettre en scène la recherche de sa trame aussi, d'un secret à déloger mais qui insiste. Cette trame, ce secret, il concerne l'objet même de la biographie, bien sûr, mais aussi ses auteurs. Ces deux livres où les auteurs sont constamment en train de se demander pourquoi ils font ce livre, qu'est-ce qui les pousse à le faire, d'où vient quelque chose, une sorte de désir étrange qui les traverse. Il est clair que l'enquête est motivée pour eux par une quête existentielle, vraiment, des deux écrivains qui se sont engagés dans l'écriture. Alors, et puis évidemment, ces deux enquêtes, je pense qu'on peut dire qu'elles ont pour caractéristique aussi commune de remonter depuis Israël vers une histoire européenne des Juifs qui précède la création d'Israël et qui bute sur la Shoah. On verra dans les deux cas de quelle manière. Alors, je vais arrêter de parler là. J'ai parlé trop longtemps, c'est aux auteurs de parler. Je vais leur poser des questions. Et j'ai fait en sorte qu'ils puissent chacun à leur manière répondre à la même question, dans une certaine mesure, à partir de ces points de correspondance que j'ai essayé de noter. Alors, je me trouve un peu stupide à poser la première, je vais tout de suite vous dire pourquoi, parce que sa formulation, elle fournit un des points que chacun de vos deux livres soulève, à savoir comment on en vient à se plonger de manière aussi obsédante dans un tel projet et, j'allais dire, de tenir bon pendant, je crois, presque 10 ans pour Yael Niman. Donc, est-ce que vous pouvez revenir pour les auditeurs là, qui n'ont pas lu le livre sur cette question qui revient constamment dans le livre du comment on rentre dans un tel projet, Yael Niman? ערב טוב. קודם כל, בשביל אובססיה צריך להיות אובססיבי, וזה קיים, אבל אני חושבת שבאמת זה ככה קרה לאט, בהתחלה מפגישה מקרית שפגשתי את פזית, ואחרי זה כעבור כמה שנים מקולגה בעבודה שסיפרה לי, פגשתי אותה ולא היה לי שום דרך לדעת עליה יותר, כמו שקורה המון בחיים, שואלים מי זאת, וכעבור כמה שנים קולגה בעבודה במקרה סיפרה לי עליה, וזה היה לי מאוד מעניין לשמוע את מה שהיא סיפרה, זה היה על כך שהיא בישלה לה במשך 3 חודשים, מבשלת מעולה והיא רצתה לבשל לה כל שבוע משהו אחר, אבל פזית רצתה תמיד קוסמת, שניצל ואוף, ופשוט זה היה כמו, ביקשתי ממנה אחרי זה לכתוב לי את זה במייל, כי זה היה נורא, רציתי לדעת עוד פרטים, ולאט לאט כמובן לא חשבתי על ספר ושום דבר, אלא על שתי אנשים האלה, האישה שהייתה חולה ומוזרה, ועל האישה שבישלה לה 3 חודשים, ולאט לאט זה הפך באמת למין אובססיה כזאת וחקירה של כל האנשים שהצלחתי להגיע שהכירו את פזית. Alors, bonsoir. Tout d'abord, pour être obsédé, il faut être un petit peu obsessionnel, et c'est le cas. Donc, c'est arrivé très très lentement. Cela est parti d'une rencontre tout à fait au hasard avec Pazid, et je ne savais rien sur elle, je ne savais pas du tout qui c'était, rien du tout. Et puis, quelques années plus tard, une collègue au travail m'a parlé d'elle. Et je trouvais ça très intéressant ce qu'elle disait. Elle me racontait que Pazit était une femme pour laquelle elle avait fait la cuisine pendant 3 mois.
La collègue était une très très bonne cuisinière et elle lui proposait de lui amener toujours autre chose, de lui changer de menu. Mais Pasit voulait toujours avoir des schnitzels, des escalopes de poulet. Voilà, donc moi je voulais connaître un petit peu plus de détails. Donc j'ai demandé à cette collègue de m'envoyer un mail avec tout cela. Et à l'époque, je n'avais absolument pas pensé à écrire un livre. Mais il est vrai que ces deux femmes, l'une d'entre elles très bizarre et malade, et l'autre qui lui faisait la cuisine pendant tous ces mois-là, se sont transformées en lente obsession en moi. Et cela a donné lieu à l'enquête sur cette femme que je ne connaissais pratiquement pas. Alors, Benny, vous aussi, vous êtes obsessionnel, on pourrait dire. Alors, bon, racontez-nous comment est née cette obsession. Alors, vous racontez au début du livre. Hein, d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressemble aussi au début du livre de Yaël, dans une certaine mesure. Il y a comme un signe, un appel. Et vous, c'est un poème. C'est un poème mis en chanson et qui vous plonge dans une forme de nostalgie et qui vous font basculer dans cette obsession. Enfin, je pense que le mot n'est pas trop fort et qui vont vous lancer dans l'enquête. Donc, c'est vrai que c'est une chanson, enfin, un poème de Binnie Meller qui est né dans la rue Smoche. Et il est né en 1908. Et alors, j'ai connu le nom Smoche est assez connu dans la littérature yiddish, mais je n'ai pas remarqué. J'aurais dit que c'est presque comme les autres noms de Varsovie juif, de Muranov, le quartier juif de Varsovie. Et comme d'autres noms, comme Niska, Zamenhof, Krochmalna, Novolipki, tout le reste. Et puis, c'est vraiment la chanson de Chava Alberstein, la chanteuse israélienne, et les poèmes de Binnie Meller qui a évoqué en moi le besoin de rendre hommage, j'aurais dit, à cette rue, à ces habitants de la rue Smotcha, Smotcha en yiddish. Et puis, c'est intéressant parce que Binnie Meller raconte... raconte de sa sœur, de ta sœur Chaye, et qu'il a élevé comme a élevé tous ses sœurs et frères. Et puis, à la fin, elle est morte à Treblinka, et lui, dit Binnie Meller, écrit le poème et à 1984. Et lui, le seul à se souvenir de cette sœur Chaye. Donc, c'était comme refuser au destin de ces gens-là, et de la rue Smoche, comme Chaye et tous les Chayelech de la rue. Et c'est intéressant parce que je me suis promené dans le quartier soudain, je me suis trouvé dans la rue Smoche. Et rien n'est resté comme à l'époque. Donc c'est ça, c'est que j'ai compris qu'il faut reconstruire la mémoire de ces gens. Dans vos deux livres, il y a cette idée qu'on enquête sur une réalité qui vous est d'abord, on pourrait dire, presque anonyme, difficile à saisir parce que enfin inconnu. Comment vous imaginez, à partir de quel moment vous concevez, on pourrait dire, une méthode d'enquêteur, hein, j'insiste encore sur ce mot, pour rentrer dans la construction du récit. C'est-à-dire à partir de vous, très vite vous décidez d'écrire un récit. Je pense que Yaël Neyman raconte que lui vient davantage de temps, hein, pour que lui apparaisse l'idée qu'un livre peut venir. Mais il y a un problème de méthode dans les deux cas.
puisqu'il s'agit de parler d'une réalité qui a disparu, qui a été effacée, et sur lesquelles il n'y a plus que des traces infimes qu'il s'agit d'aller quêter ici et là. Comment on construit une méthode, Yaël ? הרגשתי באמת בספר הזה שהתובנות או המוזות או היו אותו דבר לגבי המבנה ולגבי התוכן, זאת אומרת זה הייתה, הרגשתי לפעמים כמו מהנדסת, כמו עבודת הנדסה של בניית גשרים מנושא לנושא, ועד הסוף ממש לא הייתי בטוחה שיש לי את זה. נזכרתי שכשהיינו נערים ובונים מסנדות, מגדלים בקיבוץ, היה תמיד בונים את זה על הרצפה וברגע האחרון מעלים את זה ולא יודעים אם זה יעמוד או ייפול, והמבנה היה מאוד מסובך. אני גם תמיד כותבת, כשאני כותבת, אני כותבת שמות לפרקים ואחרי זה מעיפה אותם, שאני חייבת להסתדר, שהספר יוכל, שהכתיבה תסתדר בלי השמות של הפרקים, שזה יעמוד בלי זה. Oui, effectivement, avec ce livre-là, il faut dire que les muses ont fait que c'était exactement la même chose en ce qui concerne le fond et la forme et la structure. C'est venu vraiment en même temps. J'avais moi-même l'impression de faire un petit peu un travail d'ingénieur. Et jusqu'au bout, je n'étais absolument pas sûre si la trame et le cadre allaient vraiment tenir. Ça me rappelait... Quand on était jeune dans le kibbutz, parfois on faisait des petites constructions, des tours, mais on commençait à les construire toujours au sol et ensuite il fallait relever la chose et on n'était pas sûr si cela allait tenir. Eh bien, je me sentais un petit peu comme ça avec ce livre-là. La structure, elle était très compliquée pour moi. Vous savez, je donne d'abord des titres aux divers paragraphes, aux diverses parties du livre, et ensuite j'essaye de le rédiger de sorte que le livre, que le récit tienne sans les titres, sans les noms que j'ai donnés au chapitre. Mais je relance tout de suite sur la question de l'enquête auprès des témoignages qu'il faut aller chercher. Parce qu'il s'agit d'organiser une... כן, אני הרגשתי שאני באה לזה, יש דברים שאני יודעת שאני רוצה לדעת, למשל על הילדות של פזית, זה היה לי ברור, אבל הרגשתי מהר מאוד שזה לא עבודה עם חכה, אלא עם רשת דייגים, שאני פשוט מתבוננת בדברים ורואה את לאט לאט נבנו גם הרבה הקשרים שלא תכננתי אותם דברים שעלו מהאנשים, והרגשתי שמעניינים אותי, וכל הזמן זה היה באמת, מצד אחד פרסתי את הרשת הזאת, מצד שני הרגשתי שאני נלכדת ברשת הזאת, ואיכשהו הדימוי שלי היה שלקחת את הסירה הזאת מאילת עם הרצפת זכוכית שמתבוננים בדגים לחולון, ופשוט לשכב על הרצפה כמו איזה צלם של ה-National Geographic מול קוץ, וככה הדברים נתבו באמת בדרכים נסתרות הרבה פעמים, וחלקן ידעתי מה אני מחפשת והרבה פעמים לא ידעתי מה אני מחפשת, זה פשוט עלה מהדברים ומההקשרים. Oui, effectivement, avec
cette enquête. Il y avait des choses dont j'étais absolument sûre que je voulais les connaître, que je voulais les savoir, notamment pour tout ce qui concerne l'enfance de Pasit. Et c'est un petit peu comme si j'étendais un filet dans lequel on attrape des poissons, et j'en ai attrapé certains. Et peu à peu, j'ai rencontré des gens inattendus. J'ai appris des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, une chose menant vers l'autre. Et c'était très intéressant. Parfois, j'avais également l'impression d'être moi-même prise dans ce filet que j'avais jeté. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous preniez ces bâtons à fond de verre que vous avez à Eilat, et j'ai transporté ce bateau à Holon. Et j'ai fait un petit peu une observation comme le ferait le National Geographic pour voir chaque pierre qu'il y a dans le fond. C'est un petit peu comme ça que cela s'est construit. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait des choses dont je savais que je voulais les savoir. Et là, j'ai rencontré des éléments, mais il y a eu également des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas et que j'ai su au fil de l'enquête et au fil du filet. Et c'est un livre qui est donc aussi conçu comme un travail de montage et de tissage des différents témoignages. Il y a beaucoup de citations. Il y a beaucoup de la parole de l'autre est extrêmement présente. Il y a une grande part de votre travail, c'est l'organisation de la matière récoltée, de la parole de l'autre récoltée, pour dire qui est cette femme. בגלל שהיא הייתה בן אדם שאפשר ככה לבוא, לקפוץ, לדבר חצי שעה, הייתה בן אדם מאוד עמוק ומאוד סלקטיבי באנשים שהיא פגשה, באופן שהיא פגשה אותם, ובעצם עצרה בשבילי אנשים שהם ממש מיטיבי סיפור ותיאור, ובניגוד נניח להיינו העתיד שעבדתי עם ארגזים, על ארגזים של חומרים ששמרתי גם אחרי זה עם כל מיני היסטוריונים יגידו כל מיני דברים, אז פה לא היה לי כלום, לא היה לי אף דף, זה בעצם כמו הגדה בהי שמספרים עליה. ובקיבוץ למשל אני נמנעתי מרעיונות, יש לי תמיד איזשהו פחד מרעיונות, כי מטבע הדברים מעוותים באופן כזה או אחר את הדברים, במובן שעורכים אותם לא בפנים, אבל אפילו בעצם העריכה שאני חותכת פסקאות או שמה אחד ליד השני. ופה זה היה משהו שזאת הייתה הדרך היחידה, וזה פשוט כל כך סקרן אותי. זאת אומרת, זה דברים שבחיים, באזרחות אם אפשר להגיד, לא הייתי מסוגלת לעשות, החל מלהתקשר לבן אדם זר, ובטח לא לבוא עם הבקשה המוזרה הזאת. אבל כאמור, אני הרגשתי כל הזמן שלמזלי פזית בחרה טוב, ופשוט הלכתי בעקבותיה. Oui, alors pour ce qui concerne les interviewés, il faut savoir que Pasit était quelqu'un chez laquelle il était impossible de passer une demi-heure pour taper un peu de causette. Elle était quelqu'un de très profond et elle a très bien choisi les gens qu'elle fréquentait. C'était toujours quelque chose de très profond. Donc, il y avait des histoires à raconter. Dans le livre précédent, Nous étions l'avenir, j'ai travaillé sur du papier, sur des archives, des caisses d'archives encore et encore. J'ai eu le concours d'historiens qui m'ont aidé, alors que là, il n'y avait strictement rien, pas une seule feuille.
Pasit, c'était un petit peu comme une légende qu'on me racontait, ce qu'on me disait d'elle. Au kibbutz, par exemple, j'avais peur, enfin, je ne voulais absolument pas aller interviewer les gens, pénétrer dans leur intimité et faire ensuite un genre de montage de ce que j'avais réussi à réunir. Alors que là, c'était le seul moyen pour y arriver. Et ça a piqué également ma curiosité, ce que j'ai entendu d'elle. Vous savez, dans la vie de tous les jours, jamais je ne pourrais appeler un étranger et ensuite lui poser des questions que j'ai demandé, que j'ai posées aux gens pour Pasit. Mais là, je dois dire que j'avais beaucoup de chance parce que Pasit a très bien choisi ses connaissances. Alors, Béni, dans votre livre, c'est aussi un travail de montage et à bien des égards. Il y a énormément de poèmes qui sont cités, il y a même deux nouvelles, deux courts récits qui sont intégralement donnés. Vous donnez des extraits de la presse yiddish, de Varsovie, de l'entre-deux-guerres. On peut dire aussi que qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du montage, de l'album à tisser pour vous. Mais alors vous, évidemment, la très grande différence, c'est que on pourrait dire que vous croulez sous les archives, la presse, que vous plongez dans un océan de papier pour aller chercher les petits détails, les traces qui vous vont permettre de tenter de construire le récit que vous allez faire. Alors, c'est intéressant parce que tout d'abord, je pensais d'une exposition de la rue Smoche, mais là, j'ai trouvé qu'il y a très peu des objets, il y a très peu de reliques, de traces de ces gens-là, même des photos. Il n'y a presque pas de photos avant la guerre. C'est intéressant parce que pendant la guerre, et on a beaucoup plus filmé, on a beaucoup plus photographié la rue parce qu'elle est devenue un peu célèbre. Elle est devenue la frontière du ghetto. Mais je voulais pas entrer dans l'histoire du ghetto. C'est complètement différent. C'est pas mon intérêt. Et là, j'ai compris que le royaume de Smoche est dans le mont, parmi les monts et parmi les idées. Et pas l'objet ne raconte pas l'histoire de cette rue. Et c'est vrai que la plupart de mes sources étaient la presse yiddish, surtout la presse yiddish. Il y avait un peu je trouvais un peu dans la presse en polonais et en hébreu également, mais surtout la presse yiddish et la littérature yiddish. Comme j'ai déjà dit, alors le nom Smotch est assez connu dans la littérature yiddish. Malheureusement, elle est trop souvent liée à la pauvreté de... C'est un peu un terme péjoratif, c'est un peu une rue vue avec un mauvais œil à l'époque par rapport à d'autres rues. Oui, surtout dans le regard d'extérieur, surtout dans... Et le visiteur pouvait même pas visiter cette quartier et même les gens de l'intérieur, les gens qui parlaient le yiddish, qui parlaient le polonais, c'était vraiment la rue a porté un nom péjoratif, c'est vrai. Alors vous voulez lui rendre, enfin je dis ça parce que vous insistez beaucoup au début du livre sur la nécessité pour vous de lui rendre ses lettres de noblesse, on pourrait dire. Oui, ou même trouver la richesse dans cette pauvreté. Pardon, je vous ai interrompu. Non, mais pour revenir sur cette question du montage des éléments textuel que vous allez citer, parce qu'on sent, moi j'ai été frappé par l'attention extrême que vous avez eue, non pas à lire la presse dans ses premières pages, mais dans ces derniers tréfonds du journal pour aller voir une publicité, un fait divers. Enfin, on imagine que vous avez dû passer des heures dans cette presse-là, et que vous pouvez pas parfois, on le sent, vous empêcher
de donner un fait divers de plus, un petit détail de plus, qu'il y a pour vous le plaisir, la nécessité d'aller noter les petits événements a priori insignifiants, mais qui ont pour vous une valeur absolument inestimable. Oui, mais il faut se rappeler que, enfin, il faut comprendre que, et c'est tous ces détails, c'est comme la preuve que cette rue existait, parce que c'est pas évident. Et la rue est complètement oubliée, perdue. Donc chaque détail est important pour reconstruire et la rue dans ce royaume. Et ouais. Oui, et dernière question, c'est votre regard. Vous dites qu'il y a très peu de photographies, mais parfois, il y en a quelques-unes, elles sont reproduites dans le livre, et vous les regardez, vous êtes ébloui, vous cherchez vous êtes le moindre signe dans une image qui reste opaque. Oui, c'est vrai, c'est vraiment... Chaque image pour moi, c'est un relique. C'est vraiment, je songeais deux heures et j'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre où se trouve le théâtre, où se trouve la synagogue, où se trouve qui c'est ces gens-là. Est-ce que je les connais par nom? Parce que j'ai trouvé pas mal de noms, mais je ne sais pas, je n'ai aucune notion comment quelle est l'apparence de ces gens. Pour revenir sur la dimension d'enquête des deux livres, je voudrais mieux comprendre, enfin que vous fassiez comprendre le rapport de l'enquêteur à la personne sur laquelle vous enquêtez. Et je vais vous poser en fait la même question à l'un et à l'autre. Dans les deux cas, on a le sentiment qu'il y a quand même un effet d'identification avec l'objet. Yael Niman, vous le notez plusieurs fois, vous l'évoquez dans un paragraphe, vous employez le mot double, il apparaît comme une sorte de double. À un moment donné, vous dites que le portrait de Pazit ou celui de son esprit, de son fantôme, voire mon propre portrait en quête de son esprit ou de son fantôme. Donc, il y a le moment où l'objet qu'on recherche, vous vous retournez sur l'objet de votre propre quête. C'est la même chose chez vous, Benny. Vous écrivez à un moment que vous êtes identifié aux enfants de la rue de Smotché, que vous identifiez à l'atmosphère. Et le mot identification est présent chez vous, pas chez Yael, c'est vrai, mais on sent quand même ça. Moi, je voudrais poser à Yael la question de savoir si, à un moment donné, c'est pas une manière biaisée aussi de faire quelque chose comme votre autoportrait. Il y a des points de ressemblance qui sont absolument notables et que c'est quand même... le portrait et l'autoportrait se chevauchent l'un l'autre, se cheminent ensemble. קודם כל, אני גם הרגשתי שקראתי את הספר של בני עצמות שמאוד דמיון בדבר הזה. זה גם באמת משהו שהוא לא רק אובססיבי, אלא סכיזואידי כזה, זה אגב הסעיף שהשתחררתי איתו מהצבא, שזה באמת אפשר להזדהות גם עם רחוב, מאוד מאוד הרגשתי את הקשר הזה בין שני הדברים, בין שני הספרים, בהרבה הרבה דברים, ואיכשהו באמת בהזדהות שיצא הספר, אז הסתבר שהמון אנשים לא סבלו את פזית, כאילו לא בחיים, אלא אמרו איזה דמות, זה מעניין לקחת דמות שאפשר להזדהות איתה, ואני אמרתי, אפשר לעצמי, אני חצי נעלבתי, חצי... אני מאוד הזדהיתי איתה, אני מאוד גם גילמה לי ככה מין כמו משהו מפואר של שאלות אקזיסטנציאליסטיות, שבאמת הדברים שהם מאוחים מלשון, זאת אומרת כמו חיים ומוות, שבסך הכל רובנו יודעים להפריד, או שום תחנה לא הופרדה. שאליי זה מאוד מאוד דיבר אליי, זה מאוד ו
ככה יכולתי ללכת עם זה עוד ועוד וככה אני קצת איבדתי את השאלה אבל אז באמת האמת שרק בזמן האחרון גם בהקשר של דברים שאני קצת עובדת עליהם עכשיו אני פתאום מבינה מישהי כתבה לי איזה קוראת כתבה לי שזה העלה בהמון זיכרונות היו הייתה למרות שהם לא שלה זיכרונות לא שלה ושהכתיבה שלי של ממואר גם בקיבוץ וגם בפזית וכנראה לנצח היא באמת לא יכולה להיות רק על עצמי אולי בגלל הקיבוץ אולי איך שגדלתי שהקול שלי יכול לבכוע רק מבעד לעוד קולות ואיזשהו רצון לספר בקיבוץ גם מכירים את כל האנשים ובעיר לא מכירים וזה תמיד כזה מכה בי מי מאחורי הדלת הזאת מי מאחורי הדלת הזאת למרות שמאוד לא הרגשתי הרבה שאלו אותי על פזית בהקשר הזה אז אפשר על כל אחד לכתוב זה לא אני לפחות כן היה בה משהו שמאוד גם דברים שלא כתבתי עליהם כמו נניח הדור שני שהיא פולניה אני הונגריה שזה שואה אחרת כמו שלמדתי מאוד בעבודה הזאת גם למשל שאין ילדים דבר שבארץ הוא קיים לא כתבתי את זה בספר אבל זה דברים שכן היו איזה תשתית לדמיון או לאיזשהו משהו משותף ואיזשהו רצון לא להשאיר אותה לבד או לא להשאיר אנשים כאלה לבד המילה קצת לא מתאימה אבל זה מה שאני מוצאת Alors, tout d'abord, je voulais absolument dire que lorsque j'ai lu Smoche, eh bien, j'ai effectivement ressenti cette ressemblance. Cette ressemblance n'est pas seulement le côté obsessionnel de la chose, on pourrait presque parler du côté schizoïde de la chose. Alors oui, il est possible de s'identifier à une rue et j'ai tout de suite pu ressentir ce lien qui existait entre les deux livres. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs n'ont pas supporté, ne pouvaient pas supporter le caractère, le personnage de Pazit. Et on s'est vraiment, on m'a même demandé, mais comment est-ce qu'on peut s'identifier à une telle personne, au point que parfois même moi, l'auteur, j'en étais blessée. Parce que moi, je me suis identifiée à Pazit. Alors, il n'y a pas seulement les questions existentialistes, existentielles, que soulève le livre, la mort et la vie, des questions qu'on se pose. Il faut dire que ce personnage m'a beaucoup parlé. Et j'aurais pu continuer encore et encore avec cela. Mais je dois dire que ces derniers temps, pour revenir à la question même que vous m'avez posée, eh bien, je crois avoir compris certaines choses. Notamment, une lectrice de Pazit m'a écrit que ce livre soulevait en elle des souvenirs qui n'étaient pas forcément les siens, des souvenirs un petit peu collectifs. Et je dois dire que mon écriture... que ce soit dans le livre « Elle était une fois » ou « Nous étions l'avenir », n'est jamais une écriture qui se fait dans une solitude, moi détachée de l'environnement. Peut-être c'est dû également au fait que j'ai grandi dans un kibboutz. Et là, il y a beaucoup de voix qui se conjuguent. Et puis dans le kibboutz, tout le monde connaît tout le monde, alors qu'en ville, on ne sait absolument pas qui se cache derrière telle ou telle porte. Alors, beaucoup m'ont posé cette question par rapport à l'identification de Pazit, et je crois qu'il y a effectivement beaucoup de moi en elle. Il y a également des choses que je n'ai même pas évoquées dans le livre même. Par exemple, nous sommes de la deuxième génération.
même s'il y a une différence que j'ai apprise entre elle, polonaise, et moi, hongroise. Et puis, pas d'enfant, ça aussi, ça existe en Israël. Et je crois que tout cela pose les jalons de ce double, de cette possibilité d'identification. Et à vrai dire, je n'avais pas envie de laisser Pazit seul, même si le mot seul n'est pas tout à fait adapté, mais je n'en trouve pas de meilleur à l'instant même. Je vais poser la même question à Benny et je reviendrai après sur ce que vous avez dit parce que ça soulève toutes sortes de questions, mais je voudrais avoir la réponse de Benny sur cette question de l'identification à son objet, d'autant plus qu'effectivement je suis content d'entendre que Yael ressent aussi ces effets de ressemblance entre vos deux livres. Alors, tout d'abord, alors, je voulais aussi, comme Yael, je ne voulais pas laisser celle et ces gens-là de la rue Smotché, je ne voulais pas les laisser en paix. Ça veut dire que je voulais les réveiller. Je voulais les réveiller. Et je voulais les réveiller, les revivre, les laisser revivre. Mais la réponse, je pense que c'est Smotché, c'est moi. C'est une paraphrase, mais Smotché, vraiment, il y a plein de façons, il y a plein de gens. On peut trouver les religieux, on peut trouver les communistes, les bouddhistes, tous ces gens-là, les non-juifs dans la rue. Donc, vraiment, je pouvais m'identifier aussi avec ses habitants, et c'est vraiment je trouvais tout le et c'est très et en écrivant le livre je pouvais m'imaginer et vivre dans la rue également, parce que mon père est né en Pologne et au lieu de lui il est né dans une petite ville au nord de Varsovie mais je pense que je pouvais me trouver aussi à Varsovie, à la Rismoche, et participer, être un éditeur, être un traducteur, je ne sais pas de quelle langue à laquelle, mais je pouvais très facilement être un habitant de la rue. Non, vous parlez de votre père là à l'instant, et moi j'avais noté cette phrase effectivement. Finalement, nous ne sommes pas si différents les uns des autres, pas seulement mon père et moi, mais aussi nous et eux. Et c'est très obsessionnel. Je ressasse ce mot, j'ai honte. Mais enfin, chez vous, l'idée de retisser un lien entre l'Israël qui a voulu oublier le yiddish, qui a voulu mettre de côté un pan de cette histoire. Et d'ailleurs, les deux livres consacrent des pages sur le silence, sur la nécessité de ne pas évoquer le passé européen d'avant-guerre, et ensuite sur la nostalgie qui vient. Enfin bon, et vous voulez non seulement retisser un pont avec ce monde, mais vous voulez, on pourrait dire, unifier une même histoire. Oui, alors eux, c'est les juifs polonais ou les juifs de la diaspora qui étaient vraiment méprisés en Israël, qui étaient maltraités. Et en venant comme mon père est arrivé en 49, il fallait qu'il oublie sa langue maternelle. Il fallait qu'il s'adapte à la vie israélienne. Et puis voilà, alors c'est vraiment m'identifier comme un juif polonais, et entre autres, mais et surtout comme un de eux. Encore une fois, j'essaye de trouver les points de rencontre. Il y a ce grand thème de l'effacement qui est dans les deux livres aussi. Alors c'est un auto-effacement dans un cas, et c'est un effacement par la violence meurtrière de l'histoire dans l'autre cas. Évidemment, ce n'est pas du tout de même nature, mais ça, on pourrait dire qu'il y a un point de comparaison. Il y a un vide, un manque, et il s'agit pour les deux auteurs de mettre en,
vous vous dites mettre en mode Smotché à un moment donné, et pour Yael Neeman de donc faire le portrait de cette femme qui n'a pas laissé de traces. Alors il faut insister là-dessus parce que Yael Neeman tout à l'heure a dit il y a des choses que j'ai voulu savoir, il y a des choses que j'ai appris, mais je ne les ai pas forcément dites. Et il y a une petite ambiguïté ou ambivalence, il y a une question qu'on se pose quand même constamment dans le livre. Vous l'abordez hein, évidemment frontalement, vous n'avez pas peur de l'aborder frontalement, mais comment vous avez négocié le désir de faire une enquête pour dire qui est cette femme, alors que vous ne cessez de dire qu'elle a voulu en permanence disparaître, s'auto-effacer, tomber dans l'oubli hein, et Et à un moment donné, vous répondez à un de vos interlocuteurs à qui vous cherchez des informations. Il lui dit je lui ai envoyé des textes pour lui montrer que je respectais le désir d'auto-effacement de Pazite. Mais pourtant, vous racontez sa vie. Je voudrais comprendre cette. Il y a une dialectique qui est difficile à saisir. היו לי ככה שתי דקות של חזקת חפות שהתחלתי להתעניין וגם ממי שסיפרה לי ראשונה שעוד לא ידעתי שאת כל הדברים האלה שהיא רוצה למחוק את עצמה ואת כל זה שהיא גזרה את התמונות ואת כל פשוט לא ידעתי לאט לאט כמובן נחשפתי לזה וזה מצחן בעיניי עוד יותר וזה מעניין גם כשהגעתי בעצם לאביגדור פלדמן שהוא עורך דין ידוע בארץ והוא היה אחראי על הצוואה שלה אז גם הוא התלהב מהרעיון הזה של לכתוב על, על, על מי שרצתה למחוק וכל מן שאל אותי מה חדש ומה וככה היה עם כולם בעצם כי הם באמת בעצם לא יכלו אף פעם לדבר עליה ולכן שבאתי הרבה שנים אחרי 15 תלוי מתי באתי לכל אחד הדיבור היה מאוד טרי דיבור שלא דובר בבניית הפורטרט שלה וכל הזמן היה את הדואליות הזאת של היא רוצה למחוק אבל הנה הרבה דברים ככל שחקרתי גם עצם זה שאני הגעתי, אמנם לא ברור מאיפה הגעתי, אבל בכל זאת הגעתי, איך זה יכול להיות. וקרה משהו שקורה בסוג הספרים הזה, ששנה אחרי שהספר יצא לאור, אז התקשר אליי סקורניק, זה הרופא שטיפל בפזית במסירות וברגישות, שהוא הבין את כל ה... את כל הרצון שלה למות והרצון שלה בחוסר טיפולים ועזר לה בצורות אחרות שהיא עזרה לו בעריכה ותרגום והוא חיסל את הקליניקה שלו ומצא אלבום שפזית הפקידה בידיו שהוא לא זכר מקיומו והאלבום באופן, אלבום תמונות אחרי שלמדנו כל הזמן שהיא גזרה כל תמונה ושלא נשאר כלום אלבום תמונות שבאופן מטורף מאוד דומה לספר יש שם תמונות של כל החתולים שלה יש תמונות של תמונות מהמחנה הקוראים תמונות של ההורים תמונות של שולחן העבודה שלה וזה ככה זה מצד אחד כמובן מאוד גם עשה לי הקלה מסוימת אבל גם לא, זה לא ממש משנה, זה יכול לקרות, זה יכול לא לקרות, זה גם היה הרגע היחיד שנפגשנו כל המרואיינים, אני תמיד מאוד עבדתי אחד על אחד, לא הייתה לי קבוצת וואטסאפ או, וזה היה רגע שבגלל שאפשר לראות את האלבום רק פיזית, לא רצינו לחלק, מאוד שמרנו על לא להראות תמונות שלה, אז פשוט התכנסנו כולם וראינו את האלבום וזה גם מין סוג של הקלה לכולם או סוג כביכול של happy end אבל גם חשוב להגיד שגם אם זה לא היה
זה פותר ולא פותר, זה מין, זה סוג העבודה הזה שאין לו, אין לו גם הצדק, זאת אומרת אי אפשר, אני לא יכולה להצדיק את עצמי, אני, האשמה תבועה באשמה היא המכחול בהרבה מובנים של הכתיבה הזאת, של כתיבה תיעודית אולי בכלל. Oui, effectivement, il y a eu des moments, il y a eu quelques secondes où la question se posait. Alors, j'étais intéressée par celle dont j'ai appris, au début je ne le savais pas, mais on m'avait raconté au fur et à mesure qu'il s'agissait là, le personnage sur lequel j'écrivais, de quelqu'un qui voulait s'auto-effacer. Par exemple, on m'a raconté qu'elle découpait sa tête des photos, elle se découpait dans les photos. Et c'est sûr que, au début, je ne le savais pas, mais après, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai également rencontré Avigdor Feldman, qui est un avocat très connu en Israël et qui était responsable de son testament. Alors, lorsque je lui ai parlé de cette idée d'écrire ce livre, il était très intéressé, il trouvait ça très bien que j'allais écrire justement quelque chose sur quelqu'un qui voulait s'auto-effacer. Et un petit peu, tous les gens ont un peu réagi comme ça. Les gens que j'ai vus 15 ans après leur rencontre avec Pazit, enfin ça dépendait des gens que je voyais. Certains, ils avaient vu Pazit il y a 15 ans, d'autres il y a 20 ans, etc. Il y avait des parce que je les ai vus enfin, au même moment, et eux, ils avaient vu Pazit à des moments différents. Mais tout ce qu'ils me racontaient, même s'ils avaient vu Pazit la dernière fois, il y a 15 ans, était très frais, comme si ça venait de se passer. Et effectivement, il y avait cette sensation un peu double en moi. Est-ce que je pouvais faire ça à quelqu'un qui veut s'auto-effacer ? Et dans l'enquête également, ça m'a menée à me poser la question, mais comment est-ce possible que quelqu'un veuille faire ça ? Un an après la parution du livre en Israël, le docteur Skornik m'a contacté. C'était le médecin qui s'était occupé d'elle, de sa maladie, mais il ne s'était pas uniquement occupé d'elle du point de vue médical, c'est quelqu'un qui l'a vraiment soignée, qui s'est occupé d'elle du point de vue mental, qui la comprenait, qui savait cette envie qu'elle avait de s'auto-effacer, qui comprenait qu'elle ne voulait pas subir de traitement, qu'elle ne voulait pas prolonger. Il savait vraiment qui elle était, et elle aussi d'ailleurs, elle l'avait aidée, elle l'avait aidée dans un travail d'édition. Et le docteur Skornik a sorti soudain un album photo. Un album photo dont on ne savait pas du tout, dont on ne connaissait pas l'existence auparavant. Et tout ce qu'on savait auparavant, c'est qu'elle se découpait des photos. Et alors là, on a trouvé un album photo qui ressemblait un peu au livre. Au livre, elle était une fois, avec des photos de ses chats, des photos de ses parents, des photos de son bureau, là où elle travaillait. Et je dois dire que d'un certain côté, j'ai ressenti comme un soulagement à ce moment-là. Parce que, bon, d'autre part, le soulagement n'était pas total. Mais c'était un peu comme un soulagement. Et là, on a également réuni toutes les personnes que j'avais interviewées pour écrire cet ouvrage. Parce que, bon, je les voyais une à une. On n'était jamais ensemble. Je n'avais pas de groupe WhatsApp ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, on ne s'était jamais vus tous ensemble. Et c'est autour de cet album, parce qu'on voulait que tout le monde les voit, que nous nous sommes réunis. Et c'était un vrai soulagement, je crois, pour tout le monde. On avait l'impression qu'on allait vers la fin heureuse, vers un vrai happy end. Mais c'est vrai que le genre de travail que j'ai fait, il n'a aucune justification en tant que telle. Et la culpabilité, elle est toujours là et omniprésente dans cette écriture. Mais peut-être l'est-elle dans toutes les écritures juives. D'ailleurs, puisque, et après je pose la question, peut-être l'est-elle dans toutes les écritures juives, moi il y a une question
qui est importante dans le livre, c'est les pages que vous consacrez à l'obsession qui travaille pas vite à un moment donné de sortir de la culture juive, de se convertir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans les mêmes pages où vous évoquez le passé, notamment des parents, de la naissance de Pazit, suivent tout de suite l'idée qu'il y a pour elle la nécessité de finir sa vie dans un couvent et de se convertir au catholicisme. Comme une lubie particulière. Pardon, mais... אני חושבת שפנטזיה על נזירה, על מנזר, זה לא, זאת אומרת, זה משהו שהוא, אני גם מכירה אותו, אני חושבת, זה מין, הייתה לה גם איזו התכתבות שלא הצלחתי להגיע אליה עם איזה כומר, שהיא ככה ניסתה לקדם את זה, אבל אני חושבת שהיא גם, זה היה כמו השם שלה, שאני מתארת שהוא לא התאחה, השם האמיתי שלה היה סילביה, ומהרגע הראשון שאז ראיתי אותה לרגע, זה היה ברור לי שזה לא יכול להיות שקוראים לה פזית, זה שם פשוט לא נדבק עליה וזה מורגש. אותו דבר היא הרגישה, אני חושבת, עם הרבה דברים, ששוב, מי שחי בארץ עם איזושהי סכיזופרניה או איזשהו, זאת אומרת, כל המשברי זהות האפשריים סביב מה זה אומר לחיות שם וסביב באמת יחס גם לערבים אבל גם למי שבא משם אז ולכל מה שהוא זר אז מחפש אז הזהות שלו היא תמיד כרוכה באיזושהי בהרבה בעיות ואני מכירה את זה ולא רק אני כל מי שאני מכירה אולי אז זה לא כזה יוצא דופן, אני חושבת. זאת אומרת, יש בה הרבה דברים יוצאי דופן, אבל ככה הזהות הקרועה הזאת היא, בעיקר גם לחשוב שהיא בן אדם שבאמת ידע שפות מאוד לעומק, זאת אומרת, וכישורי החיים שלה, זה גם מה שעושה את כישורי הדמות הספרותית שלה לכל כך גדולים דברים שאי אפשר לגשר עליהם בחיים וספרות כן יכולה כמו אוקסימרון אז ככה אני רואה את זה Alors effectivement cette idée je pense que cette idée du fantasme d'être une bonne sœur ou de vivre dans un monastère, c'est quelque chose de connu. Moi-même, je connais cela. Et il y avait également autre chose. Elle avait également eu une correspondance avec un prêtre où elle voulait faire avancer cette idée. Mais c'est un petit peu comme son nom. Vous savez, Pazit, c'est pas son nom. Son vrai nom, c'était Sylvia. Et quand je l'ai vue, moi, je savais que c'était pas possible. Ça colle pas, c'est Pazit. Et avec beaucoup de choses comme ça, vous savez, quand on vit en Israël, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a peut-être même un genre de schizophrénie lié à un problème ou à une question d'identité qui se pose. La question de l'identité, c'est également lié au rapport avec les Arabes qui sont là, ou encore au rapport avec ceux qui sont venus d'ailleurs, qui sont arrivés alors et jadis. Et beaucoup de gens cherchent leur identité. Et l'identité est toujours quelque chose de problématique. Moi-même, je connais cela et je dois avouer que pratiquement toutes les personnes que je connais connaissent cela également. Alors il y avait beaucoup de choses tout à fait extraordinaires dans Pazit,
Mais le problème de l'identité, c'est pas ça qui était extraordinaire par rapport à ce qui se passe en Israël. Cette identité déchirée, elle était là. Et aussi le fait qu'elle connaissait de manière tellement approfondie beaucoup de langues, qu'elle pouvait vraiment s'adonner à la littérature, faire des jeux de mots et utiliser les mots dans plusieurs langues. Pour moi, c'était un petit peu cela qui en faisait quelqu'un d'extraordinaire plus et qui était lié également à ces questions d'identité déchirée. Alors, on a fait un détour à partir de cette question que je posais tout à l'heure sur la question de l'effacement. Je me retourne vers Benny sur ce mot, ce que ça évoque pour vous. Et tout à l'heure, vous avez dit, j'ai pas voulu évoquer le ghetto plus que ça. Alors évidemment, à la lecture du livre, la destruction de ce monde, elle est permanente. Enfin, on l'a en tête en permanence, et on est. Et c'est un livre qui est poignant à la mesure du savoir qu'on a, mais qui est présent, qui est peu présent dans une certaine mesure dans le livre. Et j'allais vous poser la question, mais pourquoi vous n'avez pas consacré un chapitre au fait que effectivement la rue Smotché était la limite du ghetto? Pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout de son histoire, on pourrait dire? Oui, alors je pense que l'histoire de la Shoah est beaucoup plus connue que l'histoire de la communauté de Varsovie avant la guerre. Malheureusement, on connaît l'image de l'enfant qui élève les mains beaucoup plus que l'image que je trouvais de la rue Smotché, que je ne trouvais pas des autres rues. Donc je pense que c'est pas seulement la connaissance, je pense que c'est comme dans l'opinion publique, on connaît l'histoire de la Shoah parce qu'on pense que ces Juifs méritaient ces fins. C'est dur, mais j'ai souvent l'impression que c'est ça, que ces Juifs qui ne pouvaient pas immigrer en Palestine, ils pouvaient pas et partager la vision sioniste, c'est comme il méritait. Ces Juifs que le sioniste comme le mouvement sioniste lui-même, comme Chaim Weizmann l'appelait, poussière d'homme. Donc c'est exactement ce que je voulais raconter, c'est l'histoire de ces poussières, de la poussière, et qui m'intéresse beaucoup. Et je sais, c'est un peu un paradoxe, parce que ces gens-là, les kleine menschelach, les petits hommes, les petits gens, et c'est pas très intéressant leur histoire. Ça veut dire chacun mérite 15 minutes de gloire, mais pas plus que ça, c'est vrai. Mais ensemble, je trouve l'histoire fascinante, et je pense que c'est un peu composite d'une manière. Et je pense que l'histoire est assez intéressante. Je pense que chaque biographie est intéressante, et chaque homme est de sa façon, et il mérite une biographie. Mais je voudrais poser peut-être une dernière question ou deux sur, avant de passer la parole au public qui aura sans doute des questions à vous poser. Mais il y a quelque chose, enfin, sur la nostalgie, sur l'idée de la nostalgie. À un moment donné, dans le livre de Yael Neyman, il y a un de ses interlocuteurs qui parle de l'infinie nostalgie qui flottait dans l'air, alors qu'on ne disait rien sur la période de l'entre-deux-guerres en Europe. Et vous, Benny, vous avez plongé dans la presse, mais vous avez aussi rencontré des personnes ou des enfants de gens qui ont habité à Smotché. Et il y a un moment donné, il y a un personnage qui Ovadia, voilà, qui vous dit, il est arrivé à 6 ans en Israël, il a vécu rue Smotché, et il doit avoir 90 ans au moment où vous le rencontrez, peut-être quelque chose comme ça. Il dit, je suis en plein dans l'ère de la nostalgie. Je voudrais que vous disiez quelque chose de cette nostalgie aujourd'hui
qu'il peut y avoir en Israël pour ce monde-là. Et notamment chez des gens de votre génération. Hein. Vous n'avez pas l'âge de Vadia. Et, comment cette nostalgie s'est transmise pour vous? Donc, je suis un peu ambigué et envers la nostalgie parce que d'un côté, je sais qu'on ne peut pas... Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver là. Et puis, je sais que la vie était pauvre, la vie était malheureuse. Et de temps en temps, il y avait aussi ces moments de gloire, ces moments de joie. Enfin, excusez-moi, vous dites qu'il n'y a rien à trouver là, mais vous dites que ça vous avez pris le chemin, je vous cite, qui mène jusqu'au pays du Yiddish, et vous dites que c'est chez vous. Oui. Donc il y a quelque chose à trouver qui est chez vous, enfin oui, que vous définissez comme étant chez vous. Oui. Donc c'est comme vous avez dit, c'est comme un détail de la littérature yiddish, c'est emblématique. Donc là je trouve ma place. Là je trouve dans la littérature, dans la presse, je trouve ma place. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Mais la nostalgie est dangereuse, je pense, de plusieurs manières. Je pose la même question à Yaël avant de passer le micro au public. Nostalgie est un mot qui revient dans les deux livres. Enfin. כן, אני חושבת שזה דווקא גם עוד דבר משותף בין שני הספרים ובגישה שזה מין אם יש נוסטלגיה, לא ניכנס לבעיות עם המילה, היא למשהו שלא יכול להיות. וזה כמו לקפוץ לבריכה ריקה, זה כמו במובן הזה, גם נניח עם הקיבוץ, שהוא כבר לא קיים כמו שהוא היה. אין היום את הלינה המשותפת ואין את כל הדבר הזה. אז הכתיבה יכול, זאת אומרת, זה לא נוסטלגיה, אלא משהו ש... או זה נוסטלגיה למשהו הפוך, למשהו שלא יכול להיות, זה מין אפילו הרגשה קצת מנוכרת, כי זה אולי קשה לי להסביר את זה, אני קצת מסתבכת, אבל אני הרגשתי גם בזה משהו מאוד משותף, משהו של שלא היה יכול לעשות אחרת אלא למשהו שהוא לא קיים וגם לא הכרנו אותו, סליחה על הרבים, אבל משהו שנניח הילדות של פזית, כל צורת החיים שמספרים שם על הנאורים, על הילדות, זה משהו שכמובן מאוד זר איך שאני גדלתי, אז זה מין ספק הסתננות לחיים אחרים, ספק אולי נוסטלגיה למשהו שבכלל לא שלך, אם כבר, משהו כזה. Oui, là encore, j'ai trouvé des points communs entre nos deux livres, justement. C'est ce genre de nostalgie, c'est quand la nostalgie existe. Et là, je ne vais même pas parler de la difficulté que pose le mot même de nostalgie. C'est plutôt la nostalgie de quelque chose qui n'est pas possible. C'est un petit peu comme un seau dans une piscine qui est vide. Ou encore, c'est comme le kibboutz tel qu'il existait peut-être jadis, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus toutes les activités en commun comme auparavant. Donc ce n'est pas vraiment de la nostalgie que l'on a connue, c'est plutôt une vraie nostalgie de l'impossible. J'ai un peu de mal à expliquer le concept là que j'ai en tête, mais vraiment je sens là qu'il y a une communalité avec le livre de Benny Mer. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est une nostalgie par rapport à quelque chose que l'on n'a pas connu. Par exemple, même l'enfance de Pazit, c'est pas du tout la même enfance que celle que moi j'ai passée. On n'a pas du tout eu la même façon de grandir.
cela soulève beaucoup de doutes. Et c'est comme si c'était une nostalgie de quelque chose qui ne nous appartient pas du tout. Je vais remercier à nouveau le Mage de nous avoir accueillis. Remercier Benimer et Yael Niman d'avoir passé un moment avec nous. Et puis surtout les remercier pour leurs livres qui sont tous les deux très beaux et que je vous invite à lire. Merci beaucoup. Merci.